Bienvenue à toutes et à tous. C'est bien, les défis urgents pour la présidentielle 2026 au Bénin sont certains et l'opposition béninoise gagnerait déjà à s'y pencher. Alors, au lendemain de son élection à la tête du parti, Boniaï appelle à la rescousse la communauté internationale et appelle l'attention sur le fait que le cadre institutionnel mis en place par Monsieur Patrice Talon, actuel chef de l'État, n'est pas inclusifs. Mon invité, docteur Adam Soumans Kondé, secrétaire à l'éducation et à la recherche du parti Les Démocrates. Bonjour et bienvenue. Merci, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, cadre institutionnel non inclusif, qu'espère véritablement Monsieur Boniaï et de quelles options dispose aujourd'hui l'opposition béninoise pour obtenir l'inclusion ou mieux obtenir un audit du cadre institutionnel pour les élections générales de 2026? Merci, madame. Et merci pour cette occasion que vous m'offrez de dire un peu les attentes du Parti Les Démocrates à travers son président, Dr Thomas Boniaï. En fait, ce qui est demandé à travers les écrits de notre président, Dr Thomas Boniaï, c'est de mettre en place un cadre institutionnel pour une élection inclusive, transparente, gage de ce qu'on peut appeler crise politique et crise sociale. Parce que vous voyez, une élection transparente, c'est un instrument de mitigation des crises politiques et sociales. Et quand vous regardez de près, le cadre qui est mis en place en ce moment laisse à croire que nous sommes dans un jeu solitaire où c'est une seule personne qui joue contre lui-même. Voyez, la Sénat, l'opposition n'y est pas, en tout cas l'opposition qui assure aujourd'hui le chef de file d'opposition, qui est notre parti, les démocrates, n'y est pas. La Cour constitutionnelle, nous n'y sommes pas. Et l'élaboration de la liste électorale informatisée, qui est l'outil principal de l'organisation, est en train d'être confectionnée par une seule personne, par un seul acteur, le président de la République. Voyez-vous? C'est l'ANIP qui va tirer de la base de données, de sa base de données, la liste électorale informatisée. Et l'ANIP est dirigée aujourd'hui, c'est d'abord une institution qui est logée à la présidence de la République. C'est dirigé par quelqu'un qui a été nommé par le président de la République. Aucun citoyen ne peut avoir accès au directeur général de l'ANIP. Aucune institution n'a accès au directeur général de l'ANIP. Seul le président de la République, qui l'a nommé, a accès à ce directeur général. Et c'est lui qui va élaborer un instrument à usage politique, loin des regards des acteurs politiques. Ça, c'est inquiétant. Et ce que nous demandons, un, c'est de permettre à ce que le plus grand parti d'opposition, qu'est le Parti Les Démocrates, puisse avoir un œil sur la confection de cette liste électorale, cette liste qui va permettre d'aller aux premières élections générales dans notre pays. C'est de permettre, puisque la loi nous permet d'être présents au niveau de la Sénat, la loi dit, la loi électorale en ses articles 20 et 21 dit, que l'opposition, le chef de file de l'opposition, a une place au niveau de la Sénat. Et mieux, en tant que parti d'opposition présent au niveau de l'Assemblée nationale, on devrait y être. Donc ça fait au moins deux places auxquelles on a droit au niveau de la Sénat. Et c'est ce que nous réclamons. Et au-delà, parmi les quatre personnalités nommé par le bureau de l'Assemblée nationale au niveau de la Cour constitutionnelle, on devrait y être. Donc, exclu de la Cour constitutionnelle, exclu de la Sénat, sans aucun regard sur la confection de la liste électorale, eh bien, pour un observateur averti, c'est à croire qu'on peut déjà prédire le résultat des élections avant même les élections elles-mêmes. Donc, tout ce que nous demandons est qu'on revienne aux dispositions légales, qu'on applique les lois électorales et la Constitution qui nous donnent des places de droit au niveau de la Sénat, au niveau de la Cour constitutionnelle
et un regard au niveau de la confection de la Comment liste ça se fait? électorale. Comment ça se fait que vous ayez participé aux législatives dernières en l'état actuel? Parce que, d'ailleurs, l'argument de M. Wilfried Ngouidji était cela, que c'est le même appareillage qui a fait élire les 28 députés du Parti Les Démocrates. Finalement, comment est-ce que vous participez aux législatives avec le même dispositif électoral et aujourd'hui, vous tempêtez autant pour les générales? J'espère que vous aviez bien suivi le processus qui a abouti à l'organisation des élections législatives de 2023. De peu, on a failli être exclu. Et du fait que toutes les élections ont donné lieu à des crises politiques, à des crises sociales depuis l'arrivée du président Patrice Talon, eh bien, c'était une sorte d'inclusion, une apparence d'inclusion qui a été essayée et à voir les résultats que ça donnait, qui n'était pas satisfaisant pour nous. Déjà, on sait que ce n'était pas ce à quoi on avait droit, mais on l'accepte, puisqu'on a accepté y participer. Eh bien, cet instrument doit être amélioré. Et qu'ils vous souviennent, la liste électorale dont nous parlons aujourd'hui, c'est le président Yayi Boni, en 2011, qui a eu l'idée de mettre en place une liste électorale permanente informatisée d'EPI. Et cette première liste électorale informatisée a été mise en place avec le concours de la communauté nationale qui nous a beaucoup aidés et à côté donc de l'organe technique qui mettait en place la liste électorale, il y avait un organe politique de supervision. Donc les acteurs politiques avaient un regard sur la confection de la liste électorale et mieux, quand en 2013, l'opposition dirigée par le président Amoussou Bruno en son temps avait réclamé, avait écrit à la francophonie pour demander l'audit de la liste électorale informatisée, cela avait été fait, ce qui a permis un dernier ratissage pour permettre aux militants à qui l'opposition avait demandé de ne pas se faire enrôler de se rattraper. Et pourquoi aujourd'hui, quand nous on demande l'audit de cette liste électorale, ça s'apprête à polémique autant. Qu'est-ce qui est extraordinaire là-dedans? L'audit avant les législatives de 2023 a été demandé. Je me rappelle que M. Jean-Baptiste Elias a formulé plusieurs questions Nous et l'avions plusieurs demandé. préoccupations, et cet audit n'a pas été fait. Si vous avez accepté d'aller aux élections avec ce même cadre institutionnel Oui. électoral, Qui n'était pas satisfaisant, il faut le qui rappeler. n'était pas satisfaisant, Voilà. certes, aujourd'hui, de quoi vous plaignez-vous finalement? Mais on veut avoir un instrument performant. Parce que, comme je l'ai dit au départ, une élection transparente est une mitigation des crises politiques. Et nous pensons que la communauté internationale a intérêt en ce moment à se mettre aux côtés du peuple béninois pour demander l'organisation des élections transparentes. À ne pas le faire voudra dire qu'elle n'a pas tiré leçon de ce qui se passe dans la sous-région, les crises au Mali, au Burkina, au Niger. C'est maintenant que nous avons besoin de l'intervention de la communauté Vous avez internationale et évoqué non après, tantôt, oui. pardon, Oui, allez-y. et non pas après un chaos. Et cet instrument qu'est la liste électorale qui est en train d'être élaborée aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un seul acteur qui est en train d'élaborer cette liste. C'est à croire qu'au Bénin, il n'y a même plus d'institution. Nous avons vu un autre président aujourd'hui dans une nouvelle posture faire chaos dans ce pays. Est-ce que finalement les discours ne changent pas en fonction de la posture que l'on a? Le chaos que le président Yahya Boni a fait en 2011, vous avez vu le climat dans lequel il a fait son chaos. Mais le chaos du président Patrice Talon en 2021, vous avez aussi vu le climat politique et social dans lequel il a fait son chaos. Le reste, vous n'aviez qu'à déduire. Alors, vous évoquez tantôt, Parce que, il faut oui. dire, c'est bon de gagner les élections, mais gagner les élections à la déloyale, ça manque d'élégance. Donc, c'est bon de faire le chaos, mais il faut le faire dans une élégance. Le chaos de 2011 a été fait dans une élégance, C'est vous dans qui la le dites. paix. Les opposants d'alors n'ont pas parlé d'élégance. Et il n'y avait pas eu de crise. De toutes les façons, le chaos de 2011 ne s'est pas suivi d'une crise. Contrairement au chaos de 2021, les conséquences sont là. C'est pas à Vous moi dites que nous de sommes en dire. crise politique. De quelle crise parlez-vous?
Combien de Béninois sont à l'extérieur aujourd'hui en exil? Combien de Béninois sont en prison à cause des élections? Combien de Béninois sont aujourd'hui exclus de toutes les affaires à cause de la politique? C'est ça la crise. Et c'est comme ça commence. Qui vous souviennent? Et les élections, comme je le dis, quand ce n'est pas transparent, la conséquence, nous la connaissons. En 1987, la Sierra Leone, qui était présentée comme la petite Suisse en Afrique, avec, disons, la croissance qui promettait le paradis, vous avez vu, à cause des élections mal organisées, à cause des exclusions politiques, sociales, économiques, ce que la Sierra Leone est devenue aujourd'hui, nous ne voulons pas ça de notre pays. Et le seul instrument de mitigation, ce sont les élections transparentes et inclusives. Et le parti d'opposition, c'est ce parti qui doit réclamer le maintien de la paix, qui doit réclamer le rétablissement de la démocratie pour nous éloigner de ce que nous voyons ailleurs. Vous évoquez tantôt l'absence de l'opposition au sein du Conseil électoral et même de d'autres De la Cour principaux. constitutionnelle. Voilà. Mais si mes souvenirs sont bons, au niveau du Conseil électoral, il y avait un membre de Force Corée pour un Bénin La émergent. loi dit que le chef de file de l'opposition a droit à une place au niveau de la Sénat. Aujourd'hui, c'est nous qui assurons le chef de file de l'opposition. Et une étude comparative des articles 21 et 20 du Code électoral et de l'article 115 de la Constitution nous permet de dire que les membres de la Sénat sont amovibles, contrairement aux membres de la Cour constitutionnelle qui sont inamovibles. Donc, si le chef de file de l'opposition change, on doit changer son représentant à la Sénat. C'est ce que nous réclamons. Quelle est la procédure en la matière? Est-ce que le Parti Les Démocrates s'est renseigné pour satisfaire à ces conditions-là et pour qu'on procède ensemble? On nous demande de proposer notre représentant au niveau de la Sénat. Nous envoyons la proposition et il est nommé. OK. C'est comme c'est ça. Et jusque-là, vous attestez Nous avons que le... demandé le poste qui nous revient à la Sénat. Nous attendons la suite. Alors, l'autre préoccupation pour le Parti Les Démocrates, c'est la liste électorale. Aujourd'hui, fondamentalement et concrètement, que veut l'opposition et que doit-il être fait selon vous? J'ai rappelé tout à l'heure le processus d'établissement de la liste électorale qui Oui. a expiré en 2021. C'est sur demande du président Yahya Boni, avec l'appui de la communauté internationale, que cette liste avait été confectionnée. Il y avait un organe technique en charge de l'élaboration de cette liste, mais à côté, il y avait un organe politique qui assurait la supervision du processus. Et dans cet organe politique, tous les acteurs politiques y étaient représentés. Donc, ça permettait à tous les acteurs d'avoir leur regard sur le processus d'établissement de cette liste électorale. Mais aujourd'hui, c'est le président de la République, à lui tout seul, qui est en train de faire confectionner cette liste, puisque cette liste sera extraite de l'ANIP, qui est une agence logée au niveau du palais de la République sous le seul regard du président de la République. Donc, le directeur général de l'ANIP est sous l'autorité directe du président de la République. Et aucun autre acteur politique, en dehors du président de la République, n'a son regard sur le processus d'établissement de cette liste aujourd'hui. Et ce que nous réclamons, c'est qu'on permette aux acteurs politiques, parce que cet outil, c'est un outil à usage politique, que les acteurs politiques aient un regard sur le processus du début jusqu'à la fin. Et à l'étape où nous sommes, tout ce qu'on peut, le moins ce qu'on peut se permettre, c'est qu'on nous permette de faire l'audit de cette liste en l'état et qu'on nous permette de suivre la suite du processus jusqu'aux élections générales de 2026. C'est ce que nous réclamons. À ne pas le faire, au lieu de mettre un cadre institutionnel d'une élection transparente, on aurait mis un cadre de jeu solitaire où une seule personne va jouer contre lui-même. Vous croyez véritablement qu'aujourd'hui les démocrates
à l'Assemblée, avec la relative démocratie électorale, que ce sera, que 2026 sera encore un jeu solo? Si on ne corrige pas le cadre institutionnel en l'état, eh bien, ça va être un jeu solitaire. Parce que quoi? Du fait que nous soyons présents au niveau de l'Assemblée nationale, nous donne des droits. Le premier droit que cela nous confère, c'est que tous les représentants de l'Assemblée, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la Sénat, que nous soyons pris en compte. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale a proposé ses représentants à la Cour constitutionnelle sans prendre en compte l'opposition, alors que la configuration politique de l'Assemblée devrait être prise en compte. L'Assemblée a ses représentants au niveau de la Sénat. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes présents. On doit permettre à ce que nous soyons représentés au niveau de la Sénat du côté de l'Assemblée. Et on devrait également nous permettre, en tant que chef de file de l'opposition, d'avoir notre représentant au niveau de la Sénat, ce qui nous fera deux représentants. Et également, aujourd'hui, on doit nous permettre, en tant que parti présent au niveau de l'Assemblée nationale, d'avoir un regard sur le processus d'établissement de la liste électorale. On pouvait dire hier qu'on n'était pas présent dans les institutions. Aujourd'hui, l'Assemblée, c'est une institution qui devrait être indépendante, même si elle ne l'est pas en vérité. Les démocrates sont à l'Assemblée, mais les démocrates trouvent que l'Assemblée n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante. C'est contradictoire. Nous sommes présents au niveau de l'Assemblée, mais quand vous suivez bien, au niveau de cette Assemblée, qui était entre-temps une caisse de résonance du gouvernement, aujourd'hui, les démocrates, les députés démocrates au niveau de l'Assemblée se battent pour que l'Assemblée joue ses prérogatives. Et on a vu, sous l'influence donc du gouvernement, où les députés eux-mêmes ont renoncé à leurs prérogatives, à leur devoir, donner autorisation au président de la République avant ratification de tout accord de prêt. Donc, on est dans une Assemblée qui était une caisse de résonance du gouvernement et que les députés démocrates tentent de changer aujourd'hui au niveau du Parlement. Et donc, on doit permettre à ce que le parti Les Démocrates au niveau de l'Assemblée soit pris en compte dans toutes les désignations des représentants de l'Assemblée au niveau des institutions de l'État. Parce que désormais, on ne permettra pas que les autres institutions soient des caisses de résonance ou soient soumises à l'autorité du président de la République. Il a une institution, mais il doit permettre également aux autres institutions de jouer les rôles qui sont les leurs. Alors, docteur Adam, dans ce combat aujourd'hui que porte le parti Les Démocrates, est-ce qu'il y va tout seul en face du gouvernement de M. Patrice Talon, ou est-ce que le parti Les Démocrates, en bon leader, fédère autour de lui les autres partis de l'opposition pour davantage se faire entendre? Il faut dire qu'aujourd'hui, le parti Les Démocrates est le chef de file de l'opposition. Tandis que vous êtes chef de file de l'opposition, cela voudra dire que vous n'êtes pas seul. Donc, nous portons le lit, mais nous fédérons autour de nous non seulement les autres partis d'opposition, mais également la société civile et le peuple, qui est aujourd'hui la grande victime des dérapages du gouvernement. Vous parlez de la société civile, mais jusque-là, on n'a pas encore entendu sur les préoccupations aujourd'hui dont on fait cas dans cette émission, on n'a pas encore entendu la société civile. De quelle manière vous... C'est tout le peuple est aujourd'hui martyrisé, caporalisé. Aujourd'hui, tout le monde a peur de parler, mais tout le monde souffre. Le malaise est général aujourd'hui. Qui vous souvienne, au moment où le président Yahya Boni était au pouvoir, la société civile était tout le temps sur les chaînes de télévision. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez parler? Même les centrales syndicales aujourd'hui, vous les entendez encore? C'est le signe même d'un malaise. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans une démocratie où la liberté d'expression est réelle aujourd'hui. Les gens ne sont plus libres de parler. Donc,
Ce n'est que le parti d'opposition qui, quand même, se donne ce devoir, qui va fédérer non seulement les autres forces politiques de l'opposition, mais également les préoccupations de la société civile et du peuple, grande victime donc des dérapages du pouvoir en place. Nous ne sommes plus dans une démocratie. Parce que quand on gagne les élections à la déloyale, eh bien, on n'est plus dans une démocratie. On sort de la démocratie aujourd'hui. Et ce n'est pas moi qui le dis. Les gens pensent que le Bénin aujourd'hui est dans un régime dictatorial. Ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez les commentaires dans les chaînes de télévision et même au niveau de la communauté internationale. Vous avez vu les résultats des Américains sur l'arrestation de Madame Madougou Rekiat. Tout cela montre qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une démocratie. Et dans une dictature, ce n'est pas tout le monde qui a le courage de parler. Même la société civile aujourd'hui est muselée. Et le peuple souffre. Vous êtes parmi les citoyens. Vous voyez bien comment le peuple souffre. Donc, le combat du Parti des démocrates n'est pas le combat du seul parti politique, que sont les démocrates, mais c'est le combat de tout un peuple. Comment espérez-vous obtenir des résultats de par ces revendications que vous portez? C'est ça d'abord ce que nous demandons, l'intervention de la communauté internationale. La communauté internationale, on l'a vu, elle n'a pas pu faire revenir l'instauration d'un parlement monocolore. Oh. La communauté internationale n'a pas pu obtenir ce résultat. Et vous pensez que aujourd'hui on pourrait obtenir un gain de cause? Le contexte a changé. La communauté internationale n'a plus intérêt à ne pas se mettre aux côtés du peuple béninois pour revendiquer, pour faire rétablir la démocratie au Bénin. Et je le disais tantôt, ne pas le faire voudra dire que la communauté internationale n'a pas tiré leçon de ce qui se passe dans la sous-région, au Mali, au Burkina et au Niger. Avec ce qui se passe dans la sous-région, si la communauté internationale n'intervient pas aux côtés du peuple béninois pour réclamer l'établissement de la démocratie, eh bien, ça va être dommage. Parce que c'est maintenant que le peuple béninois a besoin de l'intervention de la communauté internationale et non pas après un chaos. Si on a vécu, sinon si on a vu un membre du parti d'opposition présent dans un organe en charge des élections redevenir, se convertir à la mouvance, comment est-ce qu'on espère que la mise en œuvre, je vais dire, d'éléments nouveaux, normatifs et opératoires renforcera la crédibilité des élections générales de 2020? Je disais, le contexte a changé. Le régime en place aujourd'hui est finissant. Ce régime tire vers sa fin. Et quand c'est vers la fin, ce n'est pas en ce moment qu'on a donc des reconversions. Au début, d'accord. Mais à la fin, les tendances ne sont plus les mêmes. Donc aujourd'hui, je vois très mal un opposant positionné au niveau de la Sénat, positionné au niveau de la Cour constitutionnelle, qui va changer de veste une fois au niveau de ces institutions. Le régime est vers la fin. Vous-même, vous savez qu'un régime vers la fin, ce n'est plus en ce moment qu'on est obéissant, qu'on retourne les vestes. Donc, le contexte n'est plus le même. Si aujourd'hui, le parti d'opposition que les démocrates arrivent à avoir une place au niveau de la Sénat, au niveau de la Cour constitutionnelle, j'espère qu'ils ne vont pas retourner de veste. Ils vont jouer vraiment le rôle qui est le leur. Docteur Adam Soumon Kondé, dites-moi, à quelles conditions aurons-nous des élections apaisées en 2026 et également, loin d'être instigatrice, oui, voilà, de situations conflictuelles politiques, que sera la partition de l'opposition pour qu'on ait des élections générales apaisées? Pour avoir des élections générales apaisées, il faut que ces élections soient inclusives, transparente et juste. Et c'est ce que l'opposition revendique aujourd'hui. Mais le régime en place, le pouvoir en place, a tendance à dire que celui qui revendique la paix, qu'il est instigateur des violences. Mais non,
Celui qui exclut, c'est lui qui est l'auteur de la violence. Celui qui établit une liste électorale dans une opacité totale, c'est lui qui est instigateur de la violence. Celui qui exclut les partis d'opposition aux élections, c'est lui qui ne veut pas la paix et non pas celui qui revendique une élection transparente et juste. Si on n'a pas un cadre institutionnel correct, transparent, inclusif, eh bien, on va assister à des élections exclusives, on va assister à des élections où on peut prédire les résultats avant même les élections elles-mêmes, on va assister à des élections que je ne souhaite pas, qui vont conduire à ce qu'on a déjà vu. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, la culture politique chez nous est telle qu'on a toujours droit à des élections entre griffes transparentes et autres? Depuis 1990 jusqu'en 2016, le Bénin a toujours organisé des élections apaisées. Et c'est parce que ces élections ont toujours été inclusives, transparentes et justes qu'elles ont été apaisées. Ce n'est qu'à partir de 2019 qu'on a commencé par assister à des élections avec des gens en prison à la fin, avec des morts, avec des exilés. Le Bénin n'a jamais connu ça depuis qu'on a accédé à la démocratie. Monsieur Patrice Talon n'était pas exilé? Il avait été exilé par la suite d'une élection. C'est une crise qui l'a fait partir, mais ce n'était pas une crise électorale. Ce n'était pas suite à une élection que Patrice Talon a quitté le pays. C'est clair, oui. Bon, ce n'est pas à moi de dire pourquoi il a quitté, mais ce n'était pas suite à une élection. Ça, je peux le dire. Mais aujourd'hui, c'est au lendemain des élections ou à la veille des élections, qu'on assiste à des arrestations, qu'on assiste à des départs massifs à l'exil, qu'on assiste à des morts. Donc ça, c'est nouveau. Et c'est avec ce régime qu'on a commencé à assister à cela. Et si on veut que cela s'arrête, eh bien, on doit commencer par avoir des élections inclusives, transparentes et justes. Et pour les élections de 2023, oui, pour peu qu'on a tenté d'accepter la participation de l'opposition, vous avez vu, ça s'est passé dans un calme relatif. Et c'est pourquoi il faut améliorer donc ce cadre pour que la paix soit totale. Et cette paix ne peut être totale qu'en revoyant le cadre institutionnel, en faisant participer le parti d'opposition, les démocrates, aux institutions impliquées dans les élections, et en réparant les conséquences négatives des élections passées. Ceux qui ont été emprisonnés à l'occasion des élections passées, il faut les libérer. Ceux qui ont été renvoyés à l'exil à l'occasion des élections passées, il faut les faire revenir. C'est vrai, ceux qui en sont morts, on ne peut pas les ressusciter, mais tout le tort qui a été fait du fait de l'organisation des élections exclusives, il faut les réparer et nettoyer le cadre institutionnel, c'est ce que nous revendiquons, pour enfin organiser au Bénin des élections inclusives, transparentes et justes. On pense souvent que la communauté internationale est garante de la légitimité et tout, sinon, oui, de la crédibilité, de la transparence des élections. Est-ce que réellement, c'est à la communauté internationale de faire pression ou c'est à vous, à l'interne, de vous organiser et, quoi qu'il advienne, de trouver les voies et moyens pour discuter avec le gouvernement en place? La démocratie dans le monde est régie par des accords, des conventions auxquelles nous avons souscrit. Le Bénin a ratifié les conventions internationales qui garantissent la démocratie dans le monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette communauté internationale qui est garante du respect des accords et des conventions internationales, nous demandons à cette communauté de veiller à ce que ces accords et ces conventions soient respectés par notre parti, par notre pays,
qui est partie prenante à toutes ces conventions. C'est ce que nous demandons. Qu'il, vous regardez récemment, des sénateurs américains ont écrit au président congolais Tshisekedi parce qu'ils ont des inquiétudes que la CENI n'a pas affiché une transparence sur la confection de la liste électorale. Et des sénateurs américains ont écrit au président congolais, lui demandant d'afficher au plus vite la liste électorale qui n'apparaît pas transparent aux yeux de la communauté internationale et des acteurs politiques internes. Donc, demander à la communauté internationale d'intervenir, ce n'est pas pour s'ingérer dans les affaires internes de notre pays, mais c'est pour veiller à ce que les accords et les conventions internationales auxquelles nous sommes parties prenantes, que ces conventions soient respectées par notre pays. Mais si on dit pourquoi on demande à la communauté internationale d'intervenir, mais au nom de quoi la communauté internationale déploie des observateurs dans notre pays au moment des élections? Le droit qui permet à la communauté internationale de déployer des observateurs dans notre pays, c'est ce même droit qui lui demande de veiller à ce que les conditions qui précèdent les élections elles-mêmes, que ces conditions soient bonnes. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette tendance à appeler la communauté internationale à la rescousse est quand même plus ou moins biaisée, lorsqu'on sait que la communauté internationale a ses pratiques démocratiques et électorales qui sont autres que les nôtres? Et donc, du coup, lorsqu'on lui demande de venir mettre, si l'on s'en est dans nos affaires, on lui demande de regarder à travers le prisme d'un idéal qui est sien et non qui est nôtre. Non, du tout pas. Nous sommes membres des Nations Unies. Nous sommes membres de la CEDEAO, nous sommes membres de l'Union africaine, nous sommes membres de la francophonie. Et notre constitution dit qu'elle intègre toutes les conventions et les accords internationaux auxquels notre pays a souscrit. Et c'est la communauté internationale qui est garante du respect de ces conventions et de ces accords. Donc, dénoncer que notre pays n'est pas en train de respecter les bonnes pratiques démocratiques qui sont promues par les conventions et les accords internationaux, ce n'est pas demander à la communauté internationale de s'ingérer dans nos affaires intérieures. Nous demandons à la communauté de jouer son rôle. Nous nous jouons déjà le nôtre en veillant à ce que ces conditions soient bonnes et en dénonçant au cas où nos dirigeants ne veuillent pas respecter les bonnes pratiques démocratiques. Que se passera-t-il si aujourd'hui le gouvernement de M. Patrice Talon ne vous entend pas, ne vous écoute pas? Non, le président Patrice Talon n'a pas intérêt à ne pas nous écouter. Vous menacez? Ce n'est pas une menace. Okay. Nous sommes un acteur politique. Nous sommes un parti politique. Nous avons des députés à l'Assemblée nationale. Et en tant que président de la République et en tant que chef du gouvernement, Il est responsable des institutions. Il n'a pas intérêt à ne pas écouter les autres institutions. Un président de la République, c'est le père de la nation. Il n'a pas intérêt à ne pas écouter son peuple. Il n'a pas intérêt à ne pas écouter les partis politiques. Et en particulier les partis politiques d'opposition. Sans critique, il n'y a pas de développement constructif. Il n'y a pas un bon développement. Donc, ce que nous demandons au président Patrice Talon et à son gouvernement, c'est de respecter les lois de la République et c'est de respecter les accords et les conventions internationales qui définissent les règles de la démocratie, les règles des élections transparentes et auxquelles nous avons souscrit. C'est tout ce que nous demandons. Il n'a pas intérêt à ne pas nous écouter. Ce n'est pas une menace. Mais en tant que président de la République, son rôle, c'est d'écouter les autres acteurs politiques. Docteur Adam Sounon Kondé, je pense que nous sommes au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un message à l'endroit, justement, davantage à l'endroit des autorités, à l'endroit des citoyens également, pour qui vous faites ce combat et sans qui ce combat ne pourra être fait? À l'endroit des dirigeants. Et de vos partenaires également politiques, que sont les autres partis? À l'endroit des dirigeants. Oui. De notre pays, je voudrais leur demander
de faire jouer aux institutions de la République leur rôle en toute indépendance. Caporaliser les institutions de la République ne conduise pas à une bonne gouvernance et à une sortie glorieuse, comme le veut le président Patrice Talon qui est au pouvoir aujourd'hui. À l'endroit des institutions de la République, je leur demande à chacune de jouer le rôle qui est le sien, en toute indépendance. Ce n'est pas bien pour notre pays qu'on dise que des institutions sont soumises à l'autorité du président de la République. À l'endroit des autres acteurs, les partis politiques et la société civile, je leur demande. C'est vrai, nous sommes dans un pays où tout le monde a peur de parler, parce que c'est soit la prison ou l'exil, mais on doit, pour la dignité humaine et pour le respect des institutions ou des organes dont nous sommes membres, de jouer notre rôle et de dire ce qui ne va pas. Aujourd'hui, le malaise est réel dans notre pays et il faut que chacun joue son rôle et qu'il laisse aussi les autres jouer les leurs pour que notre pays se tienne en paix et que nous allions au développement que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour notre pays. Docteur Adam Sounokande, je rappelle, vous êtes secrétaire à l'éducation et à la recherche du parti politique d'opposition, les démocrates. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. C'est moi.